Bonjour et bienvenue. On est reparti pour du coup Undead. Alors j'étais en train de me dire, la dernière fois on a eu un pet, la dernière fois on a eu un long épisode, mais on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de combats surtout. Donc j'étais en train de me dire, on a trois types, on a végétal, viande pourrie et champignons. Je crois qu'on a que trois types de pets du coup. Faudrait que je regarde sur internet honnêtement, il y a sûrement un Wikipédia et tout ça. Végétal. Ça, c'est pour les puces, les pucerons. Champignons, donc c'est pour les charançons. Et la viande pourrie, je crois que c'est pour les mouches. Parce que vous vous rappelez, on a vu des mouches qui tenaient des, qui volaient en fait, et qui tenaient dans leurs petites pattes là, de la viande pourrie. Je suis en train de me demander si avoir une mouche, ça serait pas mieux. Parce que du coup, elle pourrait voler tout ça, donc il y a moins de chances en fait qu'elle se fasse bloquer. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça, donc ouais. Hop. Mais en tout cas, on est prêt pour partir. On a de la nourriture, de l'eau. On est prêt en état. On a, c'est quoi tous ces buffs? Récupère l'endurance plus vite. Ça c'est oui, on est bon. Célérité. Oui, célérité. Oui, c'est ça que je voulais regarder. Barbare, la vie. Forminator, la vie. Le maître de parade. Est-ce qu'on peut jouer sans la vie supplémentaire? On peut voir un peu. Là, on a quoi? On a la moitié. Là, on a plus, 5, plus 100% de vie, en fait. On a le double. On peut voir si on fait ça. Et que, ouais, mais du coup, mais qu'est-ce qu'on mettrait à la place? Parce que l'œil de lingue, ça sert pas à grand-chose. La lance non plus. Le trappeur, les dégâts des coups critiques. Ah tiens, on a des dégâts de coups critiques 2 apparemment. Résistance au poison. Il n'y a pas grand chose de très intéressant. Enfin bref. Chow down. On est prêt. Alors. Okay. Vous arrêtez de vous suicider là ? On est débile. Par contre, comment ça marche le pet? Genre. Appeler Sam Branson. Inventaire. Donc je lui ai mis des gourdes. Donc on peut le pet. Par contre. Ok, c'est détecté. Okay. Ah d'accord, on l'enlève en fait. Et là on va appeler. Ouais, ok, ça marche. Ok, viens avec moi maintenant. Appelez. Ouais, d'accord. Ça va être compliqué. Viens. Qu'est-ce qu'elles ont les fourmis là? Faut que je déplace les pics, que je les mette en bas. Si elles ont les fourmis là, ça me fait chier. Allez, Sam, on y va. Non mais jamais on va y arriver quoi, avec ça. Bon allez, Sam, tu sais quoi? Reste à la maison. Ouais, reste à la maison. Joie, voilà, il est très heureux, il est heureux, il est heureux. Vas-y, reste à la maison. On se débrouille seul. Putain. D'accord. C'est con, hein. Ah merde, j'ai pris mon repas. J'ai pas pris mon repas. Bon, Sam, il va faire office de chien de garde. Hein. Parce que laisse tomber pour... Laisse tomber pour le faire venir. C'est con parce qu'ils ont un inventaire. Alors je lui ai mis une gourde en plus avec du jus là. Bon, c'est bête. Donc je pense que la mouche c'est mieux. La petite mouche là. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Pour l'aventure je parle.
pour partir à l'aventure. Après, j'étais en train de me dire, les charançons se font attaquer par les fourmis. Donc, qu'est-ce qui se passe si on se... si on passe à côté de fourmis? Genre, mon pet, il va se faire attaquer? Ou les puces, là. Genre, qu'est-ce qui attaque les mouches? Rien. De ce que je sais, de ce que je si je réfléchis deux secondes, il y a rien qui attaque les mouches. Les charançons et les puces se font attaquer. Pucerons, là. Mais les mouches, non. Ok. Bon, on faudrait faire un deuxième abri. Et qu'on ait... Et qu'on ait une mouche en pet, en fait. Surtout si ça a un inventaire, en fait. Parce que si elle peut se balader tranquille et tout ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment super, quoi. Si on peut avoir un petit inventaire en plus. J'entends une loup. Doit être celle d'en haut. It's no women crying, but it's better than nothing. No. Donc ouais, on a découvert ça, c'est cool, on peut avoir des pets. Attends, on est loin quand même encore. On va refaire la même chose, on passe par le pique-nique. Alors je suis sûr qu'on peut passer par un autre chemin qui est beaucoup moins chiant. Je suis certain de ça. Mais je le connais pas, de 1. Et de 2, au moins ça nous évite de tourner en rond. Comme ça on sait où on va. Ça, les rouges, on s'en fout. Ça aussi qu'il va falloir farmer. Là on a un meilleur équipement, je suis content. On est bien équipé. Genre dans les grottes là, dans les tunnels, on est nickel. On est très très bon. On va pouvoir voir, on a une bonne arme. Ça me fait plaisir là. Éclat de sel. Qu'est-ce qu'il faut, hein. Tiens, éclat de sel. Pas ce qu'on avait récupéré. C'est la première fois qu'on en voit ici. C'est bizarre. Et après, on va aller dans le tunnel donc des. Oh, tiens, il n'y a pas d'abeilles pour une fois. On va aller dans le tunnel des fourmis assez tôt. Pour de vrai cette fois. Mais bon, on l'a trouvé et tout. Mais bon, c'est super grand et c'est tout noir. Donc, pas vraiment très simple. Hein, donc, on va pas y aller genre à l'aveugle et tout ça, alors qu'on sait même pas à quoi ça ressemble. Et, les grosses fourmis, quoi. Parce qu'on a vu que des petites pour le moment. On va prendre le chocolat aussi. Très bien. Les fourmis, on sait les combattre de loin, on sait les combattre de près. Ça passe très bien. Ça, c'est que du pourrissant.
sais que j'en ai ramassé un sans faire exprès. Très bien. J'ai encore ma dague. Au cas où. Ah, 3, c'est vrai. Pile de consommables ou ressources. Ou les flèches. Je dirais les ressources. Ça nous permet de transporter plus de choses. Je pense. Et ça, je vais attendre d'avoir 2. On a 3600 maintenant. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Un livre de recettes. Ah oui, on avait vu ça. Dans son combat. Toi en plume. Alors, la lanterne de plongée, les palmes, l'éclabousseur. J'ai envie de prendre ça, juste au cas où, si on en a besoin, en fait. La masse mentholée. Après, on pourrait prendre l'endurance maximale aussi en mutation. Non, on va peut-être attendre pour le moment. Il y a des trucs qui me tentent, genre la masse mentholée et tout ça. Ça peut être intéressant, mais... Faut voir. Ok, nickel. Alors, comment on commence? On commence avec... avec celui-là, là. Oh, putain, elle m'a fait peur, cette conne. Qu'est-ce qu'elle fout, là? Ok. On peut commencer avec celui-là. Et le problème, c'est que vu qu'on n'a jamais trouvé de grosses fourmis noires, le problème, c'est que on va devoir revenir à la maison. D'accord. Flèche passe à travers. Revenir à la maison, faire une pelle niveau 2 et revenir ici. Ça, c'est un peu le mauvais côté de la chose. Ça m'embête un peu. Alors, on peut se mettre comme ça déjà. Un peu, genre comme ça. Alors, full armure, tu vois. Très bon. Très très bon dégâts. Extrêmement bon dégâts. Le seul truc qui manque, ce serait de l'étourdissement.
Par contre, est-ce qu'il fait chaud ou pas? Non, 15h05. Ah, peut-être, je sais pas, 4h. Est-ce qu'il fait chaud? Non, 4h, il fait pas chaud, ça. Qu'est-ce que je voudrais faire? Il faut trouver le trou en fait. Attends, il y en a une là normalement. Okay. Faut trouver le trou avec. Qui a la bonne. En fait, non, on les a visités la dernière fois. Enfin, je pourrais bien les visiter encore parce qu'il y a des ressources rares en fait dedans. Genre les tunnels des fourmilions. On peut aller les visiter encore une fois. Parce que maintenant, on est bien équipé. Oh, ouais, j'ai compris. J'ai compris ce que c'était cette attaque maintenant. Damn, give me a plate of this. Nice and safe. Parti. Cette fois. Ah, mais ça a l'air d'être aléatoire en fait. Ou alors on n'y est pas allé la dernière fois. On est peut-être pas allé là. Ah, si, ça, c'est un trou. On y allait la toute première fois, je crois. Qu'on est venu ici. Je me rappelle des bonbons. Mais on n'y est pas allé la dernière fois. On a toujours pas fait de flèche spéciale, à part quand j'avais testé au poison là. Bon. Ouh, on a un spécial. Une pépite condensée de force élémentaire. Le simple fait de la tenir vous remplit de pouvoir. Attaque épicée. Est-ce qu'on peut la... Attends. Oh ! Ah mais d'accord, mais c'est des atouts en fait. Ça dure plus longtemps, je crois. Mais ça, attaque épicée, ça fait des, on fait des attaques de feu, c'est ça? C'est quoi épicée? Faut que je regarde ce que c'est épicée, je m'en rappelle plus. Ah, parce qu'on peut pas le, on peut pas l'identifier, on peut pas l'utiliser. Oh non, putain, on est déjà plein, quoi. On peut pas l'identifier, on peut pas l'utiliser. C'est pas comme ça en fait. Genre, c'est pas un encas. Donc, il y avait que ça en fait. Ça tue. Il est déjà plein. Non, le détruire. Ok, très bien. 4. Par contre, je peux plus faire ça. Bon, on est déjà plein parce qu'on a beaucoup de choses. Attends, épicé, c'est quoi ça déjà? Dégâts épicés, obtenus à partir d'un bonbon très épicé. Oui, merci, mais ça m'aide pas en fait. Quoi? On a faim? Oh, on a soif. Oh, on a soif rapidement.
tastes good. Peut-être on va devoir mettre peut-être enlever barbare. Et mettre ça. C'est vrai que c'est quand même peut-être c'est vraiment bien en fait. C'est quand même un peu abusé le. Ça me dit pas vraiment ce que c'est, hein, épicé là. Putain, explique-moi mieux. Genre les flèches par exemple. Simple flèche qui invite des dégâts brûlants. Ben voilà. Après, c'était un peu logique. Mais... Ah non. Je peux pas changer ce qu'on dit. Ça me fait chier quoi. I'm not picky. Voilà, ça valait le coup. Et du coup, ça, on le garde tout le temps. Je crois. Putain, il m'a fait peur, ce con. You can be smart, fast, lucky. Where's your first mama? Je crois qu'il y a un effet en plus quand on part. Je crois que ça vient de l'armure. Genre normalement c'est un effet d'étourdissement. Ah. Le troisième truc c'est méga mal. Par contre, est-ce qu'ils sont faibles contre épicés? Je les trouve pas. Fourmilion, faiblesse, taillade salée, résistance, coupe frais, épicée. Merde. Donc ça me sert à rien. Oui, mais du coup, enfin, j'ai mon inventaire qui est plein. Donc. Un peu lourd. Merde. J'ai bien la stun pour changer de d'armure. Pour l'endurance et pour la vitesse de tir, surtout que j'ai changé. Et ça fait quand même mal hein, en endurance, hein, les armures lourdes. Hein. Ça fait quand même bien mal. Bien que le corps il disparaisse. Ouais, voilà. Ah voilà, c'est là. Ouais, il y a ma gourde.
Donc c'est là qu'on a trouvé l'armure, la cuirasse. Elle était genre là, genre contre la paroi là. Putain, quand on aura des niveaux 3, on va se faire plaisir ici, il y a plein de trucs. Plein, plein de trucs à prendre. C'est mieux quand même avec une lampe. Ok. Doucement. Prendre la bubule. On a toujours le château à vérifier. Bon, on va se diriger vers les fourmis noires. On va se diriger vers le camp des fourmis noires qui est là-bas. C'est bien parce qu'on est passé d'un trou hein, pour sortir d'un autre. On est toujours pas fou là. Parce que moi j'ai le problème avec l'inventaire en fait. Faire attention. Sinon je peux pas... Là on a deux armes à la main techniquement. On a le bouclier et l'épée. La dague. Si je veux rentrer les deux et que faut que je sorte mon arme, il faut mon... Ma grosse arme, il me faut de la place. Donc c'est un peu le problème qu'on a. On peut le taper parce qu'il est en animation. Nickel. Ça va, très bien. Faudrait une meilleure arme à une main. Non, ça c'est la loup. Parce qu'on n'a pas vraiment une... Enfin la dague, ouais, on tape, c'est marrant mais... Alors, on est ça, fourmilion, fourminator. Allez, go. Est-ce qu'on mange le repas maintenant? Il fait quoi notre repas? Endurance de combat. Just like a fruit pounder. Niveau 1. Tu agaces fourmi noir. Elles veulent pas que je sois là. D'accord, donc même se déplacer dans les tunnels et tout, c'est pas un truc qu'elles aiment en fait. Intéressant.
pensais pas vraiment voir des lumières et tout ça, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? On prend ça? Non, on va peut-être pas les prendre maintenant. Ah ah! Comment on passe? Ça me dit rien là. Bah je sais pas. Ça me dit rien, genre ça me dit pas... Ça mon arme descend pas en durabilité, donc ça veut dire que ça ne fait rien du tout. Merde. Peut-être un autre chemin. Ah, peut-être ce caillou à détruire, peut-être. Il faut une bombe, peut-être. Ouais, je sais pas si on prend ça. On a toujours une place, ça va. Nickel. Ah, je suis content de notre équipement, putain. Il me fait délirer cet équipement avec le casque et tout ça. Il me fait complètement délirer. J'adore. Par contre, là, je suis plein. And the yard keeps making nastier ones. Coincidence? Okay, I'm there. Okay, on va devoir se les faire. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Ah, en cas rafraîchissement. J'avais pas vu ça. Intéressant. Allez, vas-y, chien. C'est celle-là, la 3 attaque. Okay, ça. J'ai paré que dalle depuis tout à l'heure. J'ai paré strictement rien. Depuis le début du combat. C'est super. Ouais, on a pris très cher en... Je suis très... Pas très heureux. Vraiment pas heureux. Ouais, du coup, beaucoup d'équipement et je suis un peu plein. Ouais. Ah, bombe. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, bien ce que je pensais. J'aurais dû la déposer en fait, je crois.
sais pas si l'autre... so many of you, I can't even count them all. Je sais pas si elle, elle va venir. On va peut-être la tuer. Quoique non, peut-être pas. Elle est bloquée. On leur fait mal. Hein. Après, on compte ça avec. Wow, this is way cooler than my ant farm back home. Avec ça et la mutation niveau 3. Verrouillé. Il y a écrit A dessus. Ok, tant que les petites nous laissent tranquilles. Ok, on a 3 mandibules, c'est top. 3, on va pouvoir faire l'épée. On va pouvoir faire... ah, il en faut peut-être plus pour faire l'équipement entier. Je suis content de mon équipement. On aurait lutté un tout petit peu plus, honnêtement, sans cette nouvelle cuirasse là. Cette cuirasse est quand même vraiment cool. Bon, allez, si on avance un peu. Encore des fourmis. Donc, putain, le fou, il a fait un labo B. B, c'est ouvert ou pas? Ok, non, A et B, c'est fermé. Il a fait un labo dans une colonie de fourmis noires. Pas un peu con le mec. J'aime bien comme le... Quand on est en troisième personne, le jeu devient un peu plus cartoon, j'ai envie de dire. Mais quand on devient... on se remet en première personne, ça devient un peu plus sérieux et tout. On va monter. Ah, trampoline, peut-être. Ah, on peut passer par là, je crois. Ah, bombe. Ah non, bombe. J'avais pas vu. Donc bombe ou trampoline, j'imagine. Pour ça, merde. Bombe ou trampoline. Me dis pas qu'on peut strictement rien faire. Ah, j'ai peur qu'on puisse strictement rien faire. Même là, c'est fermé. Ah mais non, mais on peut pas crafter ici. Construction interdite. Non, 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 c'est pas trampoline. Non, non, on peut pas. Donc c'est bombe. Obligatoirement bombe. On va continuer, on va voir si on peut pas en... peut-être en trouver des bombes. Oh oh. Je suis bloqué.
faut finir les autres là. Mon casque il va casser. Qu'est-ce qu'elle a dans là-bas? Dans le... Elle a récupéré des trucs que j'ai lâchés sur moi. Bon, les autres sont partis. Mon casque va casser. On devrait peut-être changer de casque. Nice and safe. Pour éviter qu'il se casse. Sinon, on aura plus du tout de lumière, donc c'est... Là, on a de la lumière, donc c'est... Do these worker ants ever get a day off? On bête un peu l'autre. Elle avait pas reset. Je sais pas pourquoi elle s'énerve. À dire hein. La dague elle est bien hein. C'est pas à dire hein. Merde. Ok, 5, le bouclier il est bon. On a que 5 morceaux. Ok, est-ce que je peux jeter un truc, des trucs même. Oh là là, plein de trucs. Quoi jeter, ça m'emmerde. On est parti trop plein encore une fois. Pour changer. C'est une guerrière, ça. Ouh, mon Dieu. Ah ah. On est au B. C'est aussi fermé. Merde. Thank you.
Merde. Nickel. Putain. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Faut qu'on parte. Qu'on parte, on est trop plein là. Maintenant, on sait à quoi s'attendre au moins. Donc il nous faut des bombes aussi, parce qu'on a pas de... Je suis un peu déçu parce que je voulais que ça se passe un peu mieux. Bon, on a des portes avec A et B. Ouais, notre armure est presque détruite. Encore heureux qu'on a cette armure, putain. Ok, encore des grosses. Ouais, après c'est de plus en plus profond en fait dans les fourmis noires. Doucement. Ouais, il faut qu'on parte. Black ant here, black ant there, black ants get everywhere. Alors, je vais juste regarder un peu mon inventaire avant qu'on parte. Donc, rien qu'avec une bombe, on devrait pouvoir continuer notre exploration. Alors, par contre, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'on peut fabriquer tout l'équipement? Là, il faut une tête. On a deux. Il faut une tête, on en a deux. Je crois qu'on en a chez nous aussi. Le body, il faut ça, on en a. Partie de truc, ok. Jambière, non. Jambière fourmi noire, il faut encore des morceaux. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on peut partir. J'aurais bien voulu peut-être plus de têtes, mais c'est bon. Les têtes, à la limite, c'est sur les normales. Donc, c'est là, la sortie. C'est pas mal, on a progressé. Yeah, it's hot. Ah, ok. J'avais oublié ce problème. Ouais, 9h du mat, ouais. I'm all geared up. On va faire ça et on part. Comment on fait des chaussons là déjà? Je me rappelle plus. Parce que des fois, je les garde. Des fois, peut-être que je pourrais les jeter en fait, le temps de récupérer plus de trucs. Ah non, c'est chiant à faire. Non, c'est relou à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Des trucs avec des fourmilions, on n'a pas besoin. On a suffisamment de parties. On n'avait que de toute façon l'équipement qu'on a là. Le poncho et tout ça. L'épée. Et c'est tout. Ah, l'épée de fourmi là. À une main. Épée fourmi noire. C'est deux mandibules. Non, on en a sept.
Donc c'est deux mandibules ici, deux, c'est le body je crois, 2, 3, 4, il nous en faut que 4, ça va. En théorie, quasiment certain, putain t'as les morceaux de fourmis, on va peut-être manquer de morceaux de fourmis, à la limite. Je crois qu'on va essayer de récupérer des morceaux de fourmis. Par contre, on va faire ça. Oh, la pelle aussi. Il y a la pelle aussi. Attends, parce qu'il y a beaucoup de trucs en fait. Il y a beaucoup de choses en fourmis. Putain, c'est relou. La pelle niveau 2. Donc c'est encore 2. Ça fait 8. Oh non, il nous faut plus de mandibules. Ça fait 2. Ah non, 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 on a 7. C'est tout, hein. Non, c'est bon. Non, 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 c'est bon. On en a suffisamment pour l'épée, c'est 2. Après la pelle, ça fait 4. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est nickel. C'est peut-être les morceaux qui vont manquer, par contre. Bah, on a qu'à compter. Bon, les mandibules, c'est bon. À moins que je sois con. Alors, 3, 6, et après, ça va être beaucoup. 9, fourmis, oui, morceaux, 9. Oh putain, 14. Non. 20. Il nous en faut 20. Là, il y en a plein des fourmis qui arrivent. Feels like I'm being cooked. I can't take this. Il a été tué. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire. On peut vraiment rien jeter à part ouais, des flèches. Ouais. On le tue lui. Je crois qu'on va devoir le tuer. Lui nous fait un peu trop chier. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Thank you.
armure va casser. Elle est morte. Oh là là. Tu vois pas que j'ai un problème d'inventaire ici, hein? Tu vois pas ça? Tu vois pas que j'ai un problème d'inventaire? Là on est plein et tout et ça fait chier. Tu peux pas me laisser... Me laisser en fait. Il me faudrait un pet. Après, quand on va rentrer, on va essayer de récupérer une mouche. Honnêtement. Parce que je voudrais vraiment avoir une... Est-ce qu'elle va pas mourir avec le grésillement? Je voudrais vraiment avoir un pet. Donc 14. Il nous faut encore quelques fourmis rouges. Quand on rentre, on va devoir... réparer tout notre équipement. Mais Fissa. Parce que je pense qu'on va se faire attaquer. Putain de toi, quoi. Parce que ça, elle va casser. J'ai pas envie que je me retrouve à poil pendant que je combats. Ça aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et j'ai mis ça, ça fait une armure lourde. Mais on peut combattre avec une armure. Sérieux là ? Elle est là-bas, pas là-dessous. Ça fait quand même chier. Bon, ça va, on se débrouille avec ce qu'on a là. Elle est là. C'est du bon? Putain, à chaque fois je fais des bonds sur ma putain de chaise, quoi. C'est du bon équipement, hein. Entre moyen et lourd, honnêtement, je suis content. Ça résiste bien. Même ça, hein. Les ponts de choses. Les équipements 3, c'est pas de la merde. Thank you.
nickel. Donc on utilise quasiment plus le bouclier. Enfin si, quand il y avait plusieurs fourmis sur nous, il a été utile le bouclier. Il faudrait genre une ou deux fourmis de plus et on y va et on se casse. Parce qu'à la maison, je crois qu'il en reste genre une, un bout. Donc je préfère à la limite tout prendre maintenant. I'm all geared up. Je préfère tout prendre maintenant. Évidemment, il y en a deux. Nickel. Je crois qu'on va arrêter de prendre le... l'arc, peut-être, en expédition. Allez, fais-moi des jumpscares, vas-y. Allez, je t'en prie. Encore des fourmis. Jumpscare. Jumpscare. Ah, peut-être qu'en fait on peut passer sur le côté gauche là-bas en longeant en fait. Il n'y a peut-être pas de gaz quand on longe le côté. Parce que bon, le trou de des fourmis rouges, il y a bien d'autres entrées. Hein. Donc, putain de merde, ça me fait peur. On n'a pas le temps. Faut que je baisse le son de la musique des fois. Parce que là, les dong-dong, ça cache le son des bestioles, honnêtement. Des bruits ambiants, oui. Musique. Putain, je l'avais baissé pourtant. Dialogue. Le dialogue, c'est bon. La narration cinématique. Chat vocal, jamais. Bruit ambiant, effet sonore. D'accord. Vous entendez une différence, moi non. C'est quoi ça? C'est une libellule. Ah, Luciole.
Tu te fous de moi ou la luciole elle est à mes trousses aussi? Plein sur la colonie, c'est bien. Coucou. Catégorie 3 sur la gauche. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Fouf. Eh ben... On va pouvoir faire du matos. On va faire du matos. On a plusieurs choses à faire. Putain, on est déjà là. On a plusieurs choses à faire. On a... Okay, nickel. Oui, je sais, j'ai faim. That was refreshing. On va réparer nos armures parce que je le sens mal. Y a rien d'autre à réparer? Non, c'est bon. Putain, qu'est-ce qu'il y a depuis? Ah, cette arbalète, quoi. Hop, on pose tout. Ouais, il nous faudrait une mouche, en fait, de compagnie, honnêtement. Si on peut. Si on peut en avoir une. Je crois qu'on, j'en avais déjà fait des trucs de pourri, là. Ça, raccourci, très bien. Hop. Allez, maintenant c'est l'heure de la nouveauté. Il est toujours là, mon pote, ou pas? Il est où? What? What? Il est dans la paroi? Putain, tu fous de moi? Est-ce qu'on peut les bouger, les palissades? Non, on va pas les bouger. Il est là. Il est là. Mais qu'est-ce que tu fous là? Viens ici. Sérieux, je vais t'enlever ça parce que tu commences à m'énerver en fait. Ouais, t'es pas digne du samouraï. Désolé, mais t'es pas digne. Honnête, joie, caresser 3 jours, tente caler 5, lisière de champignons. Ouais, non, mais tu fais n'importe quoi. Hein. Je sais pas comment tu t'es débrouillé. Non, désolé, tu... Tu mérites pas, désolé. Moi, je demande un peu de, quand même de sérieux dans ce que je fais, de l'aide un peu, hein, parce que je fais tout seul. Mais non. Le truc, il veut pas, il se met dans des parois et tout. Pour le dégager, il va falloir que je casse tout. Non, je fais exprès. Alors, il me faut du soin. D'abord, oui, je me prépare si jamais on se fait attaquer, parce que je le sens mal. Comme j'ai dit. On a 3. Ça. On a 12. Ouais. Non, merde. 13, 14, 15. Ok.
Alors, fais voir les nouveautés, fais-moi rêver. Alors d'abord, le plus important, l'appel. Voilà, déjà, on a l'appel de fourmi noire, nickel. Donc, on va virer celle-là. Donc maintenant, on peut creuser pas mal de trucs. Honnêtement, je me rappelle plus trop ce qu'on peut avoir. Je crois qu'on peut avoir genre les chewing-gums et tout ça. Je crois que c'est à l'appel. Je crois que c'était à l'appel niveau 2. Donc ouais, donc c'est bien. Maintenant le fun. Donc on a l'épée de fourmi noire. Donc ça c'est l'épée à une main. L'épée de fourmi noire. Yeah, la classe. Ça, c'est très bien, épée de fourmi noire. Il nous faut des bombes au passage. Faut pas que j'oublie. Bombes. Donc ça c'est bien, nickel. Maintenant le fun aussi c'est par rapport à l'équipement. Alors on voudrait casque en fourmi noire, la cuirasse en fourmi noire et les jambières en... Oh, on n'a pas de nuit d'abeille, oh la connerie. Je pensais qu'on en avait de côté. Merde, va falloir se faire des abeilles. C'est du léger à chaque fois. Non, c'est du moyen ça par contre. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Et ça donne coup critique après une parade. Parer les attaques à une Parer les attaques a une chance d'augmenter ton taux de coup critique pendant un court instant. Ça peut être vachement intéressant. Ça peut être vachement intéressant. Faut qu'on combatte des abeilles. Merde. Ah bah non, là il fait nuit maintenant. On va jamais en trouver. On va dormir, on va essayer de trouver une abeille. Enfin, trouver une ou deux. Il faut 4 duvets. 4 duvets, c'est possiblement 4 abeilles, hein, tellement que le taux de drop il est à chier complet quoi. On va le mettre là, le cabut on le garde, ça on le garde, ça, très bien, un truc que je voulais faire, autre chose, ah oui, c'est récupérer des lisières là, comme ça on va pouvoir prendre une mouche. Si jamais la mouche ça marche bien, je vais être très content. Et l'autre, on le vire. C'est ça. Viande pourrie. Nickel. De la viande pourrie autre part apparemment. Désolé, je perds un peu de temps.
arriver. T'es sûr que ça me l'a enlevé? Ah, ici, 21. Ouais, maintenant on peut aller à 25 pour tout ce qui est matériel, donc ça c'est bien. C'est bien, c'est très bien ça. Ouais, je suis content, ça fonctionne bien. Alors on a appris pas mal de choses, donc il faut une bombe. Il faut du matos souterrain avec de la lumière et tout ça, au cas où. Honnêtement. Nice and safe. Et on va essayer de prendre une mouche aussi. On fait peut-être la mouche en premier, c'est pas loin, c'est juste là. J'ai pas ma gourde sur moi, c'est bien. J'ai pas à manger du coup. C'est bien. Where are you off to, Ant? Bah, ils sont un peu cons pour vivre, hein, quand même. Faut pas dire. Alors. Allez, lequel veut être copain? Arrêtez de me pousser. J'ai déjà un nom tout prévu là. Am I wearing that cologne or something? Nouvelle insecte compagnie, moucheron. Yes. Insecte de compagnie. Coucou. T'as quoi dans les mains? Vas-y, viens, on y va, on y va. Viens, viens, viens. Get out of my airspace. Allez. Allez, on y va, on rentre. Ah, t'es une mouche, tu sais, hop, et hop, t'es à la maison, quoi. Faut qu'on se fasse à manger à pas. On va voir si on fait que courir, est-ce qu'elle nous, elle peut nous suivre ou pas. Vas-y, je vais laisser la porte ouverte. Tastes good. Et nous, on va aller combattre. Oh, regardez la mouche. Elle est avec moi. Ah, c'est quoi ça? Ami moucheron, vous pouvez glisser plus longtemps. C'est quoi glisser? C'est ça? Avec les duvets? Glisser plus longtemps? Parce que ça fait... Ah mais ça fait des buffs du coup d'être avec un pet. Bah ouais mais bon. Si l'autre il bouge pas aussi. Hein. Ah, elle est là! Ah, je l'avais dit que c'était bien. Alors. Ouais, non. Bouge pas. Samron. Voilà. Très bien. Par contre, Samron, tu vas venir avec moi. On va te mettre un casque samouraï. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se fait manger par une fourmi. Ça, c'est chaud.
Et regardez. Ce qui est marrant, c'est qu'il a... Il a... appelé ça marrant. Il a un truc dans ses mains, quoi. Il a un sac. Je sais pas ce que c'est, mais il veut pas le faire tomber. Ah, il a de la vie en plus. Oh, mais attends, mais laisse-moi mon... Non, mais toi, tu me fais chier, là, truc. Nice snooter, dude. Saloperie. Oui, mais un Samron, tu fais chier aussi. T'as qu'à rester à l'intérieur. Alors, tu peux me dire de... Samron. On peut lui dire de venir. Appeler Samron. On peut pas appeler Samron. Échanger d'insectes de compagnie. Bah trouve l'entrée toi hein, tu fais chier. Bon désolé, allez on y va. On va faire les abeilles. On va faire les abeilles, on les faisait. Ah mais non, mais c'est. Pourquoi j'ai lui, c'est quoi? Ton corps est moins perméable et retient l'eau. Plus longtemps, d'accord. Donc lui c'est de l'eau en fait. Si je fais ça, j'ai qui là? Non, moi je vais. Comment ça fonctionne? Ok, là j'ai le la mouche. La mouche. Ok, let's go, let's go. On y va. On va faire des trucs. On va taper des abeilles. On va taper des abeilles à côté des fourmis. Bah, nickel. Est-ce qu'on est équipé pour ouais, ça va. Est-ce qu'on le voit sur la map? Non. Le voilà. Ah, les abeilles, c'est pas compliqué. On va les tuer facilement. On va à l'endroit habituel, honnêtement, c'est super dégagé. Nickel. Donc ouais, je commence à me dire qu'on va peut-être moins prendre le... L'arc. Merde, j'ai plus d'endurance. Vraiment au mauvais moment, là. Bon là, vous arrêtez de me suivre ou pas? Ok, nickel. Je veux voir le set complet en fait, ce que ça fait. Ok, nickel. On est bon. Pour les jambes, on est comme ça. Ok. On a 4 parties différentes, je crois. Waouh, regarde-moi tous ces buffs. C'est n'importe quoi. Attaque épicée, un montant fixe dégâts épicée à toutes vos attaques de mêlée. Ah ouais, c'est grâce à ça. Ouais, c'est grâce à ça. D'accord. Et ça marche avec... Ouais, sûrement. D'accord. Un duvet. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On dirait que l'abeille l'a attaqué, l'a touché, enfin l'a tué, oui. Mais l'a attaqué en premier en fait. Ou alors c'est moi parce qu'elle passait à côté, je l'ai tapé. Je sais pas. Moucheron? Il essaye, je crois. On va voir. On va voir. Donc un duvet, hein, comme j'ai dit, hein, le drop des abeilles, c'est de la merde. Ta merde.
casse-toi. C'est vrai que j'ai des flèches rares, j'ai pas envie de les perdre. Yes, il est là. Ça tue. Am I wearing that cologne or something? Bon, tu fais à caf, hein. Tu prends pas les flèches perdues. Bon. Alors, le truc là, c'est qu'on attend une abeille, ok? Ok, la mouche. Tu peux peut-être aller en chasser une, honnêtement. Le truc. En plus, c'est une mouche avec un sac dans la main, quoi. C'est n'importe quoi. Ça transporte quelque chose. Peut-être de la viande pourrie, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut lui donner à manger? Vas-y, tiens. C'est bien, on est sorti avec notre pet. Ah. Mais arrête de me faire pousser. Les mouches poussent en fait, c'est ça qui est marrant. Ah, là. Allez, pute. I don't want any trouble, Ant. Qu'est-ce que c'est chiant de faire les abeilles. What the fuck? Il m'a sauvé! Ouais, il y a son petit sac qui est tombé. Il a pris cher ou pas? Ouais, il a pris. Triste. Du V3, qui est très bien. Ouais, plus qu'une. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah, je suis débile, quoi. Non, viens, viens, il y a du gaz. I don't want any trouble, Ant. Bon, bah c'est cool. Oh. On va voir qui va gagner. C'est vénère une coccinelle, hein, ça a beaucoup de vie. Hein. Mais bon, là il y en a beaucoup. Get out of my airspace. Non, je voudrais bien. Ok, merci.
Allez, la mouche, on y va. Normalement, personne ne peut la toucher, hein, à part, je sais pas, une araignée qui lui tire de la toile. Ou alors, ouais, les trucs volants, on a vu que, genre, l'abeille, en fait, quand elle m'a attaqué, la mouche s'est interposée. Mais c'est pas mal, en fait, c'est sympa. Encore heureux qu'on lui a mis la meilleure armure, hein. Putain. Là, toi. Toi, je sens que t'as bouffé mon pet, en fait. Ah non, il est là. Il est là, Sam. Il cherche toujours l'entrée. Allez. Go armure. Tada! Si c'est vraiment bien, on utilisera ça. Alors. Quoi? Quoi ce bruit? Tu me fais chier, toi. Ah genre, il a tué une fourmi. Enfin, il a tué une fourmi. Elle s'est sûrement suicidée sur les pics, mais... Bien joué, ça. Faudrait peut-être que tu rentres maintenant, quand même. Donc, j'étais en train de faire ça. Putain, on est toujours bloqué. Reflète une partie des dégâts vers l'attaquant. Pelote. Intéressant. Ça peut être pas mal. Donc paralysie, les attaques ont une chance d'augmenter ton taux de coup critique pendant un court instant. Et après, refléter une partie des dégâts vers l'attaquant. Just like a fruit pounder. Ça peut être intéressant comme... comme armure. Après, est-ce que je vais l'utiliser? Je sais pas, honnêtement. Honnêtement, je préfère utiliser les armures lourdes, même si c'est moins spectaculaire. Même si c'est moins spectaculaire, je préfère utiliser l'équipement normal. La mouche est arrivée. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc on a un super pet qui est là. Du coup... Non mais viens là. Merci. Voilà. T'as toujours ton sac avec toi en fait. Non, t'as plus ton sac. Ouais, c'est la belle lui a fait tomber son sac. Mais très bien. Par contre, avoir un pet comme ça quand on a des canons... Je sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. On verra. Ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, je vais me préparer et on repartira donc. Bombe, on en a une, peut-être qu'on en récupérera une autre, je sais pas, juste pour en avoir plusieurs, au cas où. Et sinon on repartira donc avec les armures qu'on a, inspecter insectes de compagnie, inventaire. Ah d'accord, tu peux passer sur l'inventaire ici. Putain, ça tue. D'accord, j'ai pas besoin de me faire chier en fait à aller le checker en fait. Même loin ça marche. Là il est loin quoi. Ah ouais, tant qu'il crève pas c'est bon. Ça tue. Bah, c'est nickel. Donc ça nous fait de la place en plus.
Ça nous fait de la place en plus. Donc je vais voir ce qu'on fait la prochaine fois. Je pense que ça va être bien de retourner donc au fourmi noir. On utilise la bombe pour entrer dans le labo. Et aussi, on va essayer de récupérer tout ce qui est utile avec la pelle niveau 2. Donc voilà, je sais pas exactement, je crois qu'il y a du chewing-gum, il y a des trucs comme ça à récupérer. Donc on verra ça. Donc, ouais. Par contre, c'est nettement mieux, hein, un pet mouche. Bon après, le bzz-bzz, c'est un peu chiant, j'avoue, je suis d'accord. Au moins le truc il reste en vie et puis il a pas de problème pour partir. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.